Salut, ça va, tu vas bien? Non, je rigole, il n'y a personne. Bonjour Comini, ici Samy de la série Parlement. On est chaud ou quoi? Ici, chaque jour, des décisions sont prises qui impactent toutes nos vies humaines. Comme la réglementation sur les babybel par exemple. Ah, alors il y a quoi? Hop, t'es d'accord avec ma proposition? Je vous emmène dans les coulisses, dans les arcanes du pouvoir. Le Parlement européen. Salut! C'est par là! Suivez-moi! Pardon. C'est par là. Il faut savoir que le Parlement européen, c'est 705 députés pour 27 États membres et 360 millions d'électeurs. Non, pardon. C'est 27 électeurs qui vont élire 360 millions de députés. Non. C'est 360 millions. C'est 360 millions. Ça, c'est sûr. Merde. J'arrive. Il est cassé, je crois. Ça, c'est bon. Donc là, on... Eh merde. Donc là, on est en train de tourner une scène de la saison 3 de la série Parlement. Silence. Merde. C'est mon assureur. Coupé, merci. C'est coupé, voilà. Donc là, c'est la fin de la scène. Visiblement, il tourne dans les toilettes. À mon avis, l'odeur doit pas être très agréable. Heureusement, à la vidéo, vous pouvez pas le sentir. Non, mais c'est vraiment... Entre là où tout se crée... C'est 25, c'est le nombre. Ah, c'est vraiment l'audiovisuel, le cœur de l'audiovisuel. Voilà, là, c'est la caméra. Ça, c'est Moritz. Donc là, on parle plutôt allemand, ici. Merci, Lucas. Et ici, c'est Martina, qui joue Gesine. Mais elle parle pas le français, elle ne parle que allemand. Was? Voilà, elle parle que allemand. It's for Little Knut. Little Knut TV. Can you say hello, Combini? Hello. Who? Combini. Combini. Combini? Yes, Combini. Hello, Combini. Hello, Combini. Yes. Donc là, on va vers le fameux hémicycle. Alors ici, c'est l'allée centrale du Parlement. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de lianes. Les députés les empruntent pour aller d'un bureau à l'autre. C'est beaucoup plus rapide. Ça leur fait faire du sport entre les séances de... Qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas. Suivez-moi. Ah. Et donc, pas mal de cascades dans cette vidéo. Donc voilà, le grand hémicycle. C'est ici que de très grandes décisions ont été prises, comme la réglementation sur les babybel par exemple. À la base, les babybel étaient comme ça. Ils les ont restreints à 2 pouces, je crois. Donc, par exemple, si je veux prendre la parole. Parla bella, un gen amigo, la bella da Valuega. La société d'italien, par exemple, il le traduirait dans chacune des langues, français et allemand et, bon, voilà, les autres langues. Suivez-moi. Hop là, petit raccourci. Donc là, c'est les escaliers du grand hémicycle. Faut savoir qu'il y a plusieurs stars qui ont foulé cet escalier. The Rock, par exemple. Robert Pires, de l'équipe de France. Salut, ça va, tu vas bien? Non, je rigole, il n'y a personne. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Hein. Et donc là, on approche du grand cercle. On appelle ça le grand cercle parce que c'est une forme de cercle, en fait. C'est assez, assez logique. Et donc, c'est ici, là-bas, que le Big Boss fait les discours. Et dès que quelqu'un qui veut parler, prendre la parole, bah, on lève la banane. Et par exemple, là, je lève la banane. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. Et là, bah, faut faire un petit discours parce que bah, c'est qu'il y a quand même des mots. Bonjour à tous, je suis ravi. Moi, je suis là devant vous, mais en fait, c'est vous qui êtes là devant moi aussi. C'est un échange. C'est pas moi. C'est nous. C'est ça l'Europe. C'est l'Europe des compromis. C'est l'Europe de la discussion, de la bagarre, bien sûr. Mais une bagarre, c'est quoi? Une bagarre, c'est deux êtres humains qui se prennent dans les bras, qui se frappent, peut-être, qui se font mal, mais qui se font du bien aussi parce que. C'est bien de ressentir son corps. Député contre député, donc c'est de l'UFC, hein, c'est du MMA, Mixed Martial Arts. Donc il y a du JJB, il y a de la boxe thaï, il y a du grappling, de la lutte, il y a un peu de tout. Donc en général, voilà, on commence le combat ici, c'est des rounds de 3 minutes. Et là, c'est parti. Argument contre argument. Bam, bam. Là, ça tape, là, ça bim. Là, je l'envoie au sol. Là, il est par terre. Là, c'est une soumission, là, c'est un étranglement. Ah, alors, il y a quoi? Hop, t'es d'accord avec ma proposition? Ah, bam. Il est d'accord avec ma proposition. Hop, on sort, j'ai gagné. Une fois que le combat est gagné, on vient ici. Et bah, merci de m'avoir écouté. C'est tout pour moi. Combini,